Bonjour à tous, c'est parti pour la dernière réaction à la série The Last of Us. Et oui, ça y est, c'est la fin de la saison 1, de la première partie. Alors, pour beaucoup, ça va être dur d'attendre la saison 2. Pour certains, ce sera une libération. Je sais pas où me positionner, mais en tout cas, ça a toujours été un plaisir de vous faire ces petites réactions tous les lundis. Je ne dirai pas qu'elles vont me manquer, puisqu'on va les remplacer par les rétro-réactions qui reprennent donc lundi prochain jusqu'au 14 mai, la reprise de Fear the Walking Dead. Mais alors, trêve de bavardage, on est là pour réagir au final de The Last of Us. Je vous laisse bien évidemment exploser la barre des pouces bleus et de vous abonner si jamais la chaîne vous intéresse. C'est parti, let's go. Donc elle, c'est l'actrice d'Eli dans les jeux, pour ceux qui ne savaient pas. Qui joue normalement la mère d'Eli. Je pense qu'elle a mangé un McDo qui est mal passé. Comment, j'ai pas hâte d'être enceinte, moi, sérieux? Ça va être terrible. Oh, c'est inédit, c'est cool, les petites faces comme ça. Ah, putain. Elle a accouché en même temps qu'elle tuait le... On tue un infecté, on gagne un bébé, ok. Le bébé est aigri, ça se voit. Ça se voit, c'est Ellie. Ok. Et comment on va rendre le vaccin crédible avec si peu d'infectés? C'est comment Marlène a trouvé Ellie. C'est cool, ça. L'ambiance est assez froide, morbide hein, quand même. Je pense qu'ils font ça aussi pour les personnages de Marlène. Ta gueule! Je suis même pas sûr de faire la saison 2 en vrai donc. Je pense que je réagirai à certains épisodes de la saison 2, mais pas la saison entière, c'est sûr. Tu sens que l'après David, ça lui a fait mal, quoi. Parce que là, il reste Marlène, l'hôpital... Ça se passe comme ça généralement dans le jeu vidéo. C'est les girafes. C'est un passage qui a marqué les joueurs, qui nous a marqué. On était obligé de l'avoir. Ah oui, il voit des escaliers, il est en PLS pour ses genoux. Comme moi avec mon dos. La vie qui suit son cours malgré la fin du monde. Ah bah ça c'est moi devant The Last of Us, hein, c'est... c'est exactement moi ça. Et n'allez pas à l'hôpital. N'y allez pas, barrez-vous comme ça on s'arrête là. Ils sont cool les décors. Pedro Pascal, on va pas se mentir, c'est eu très très loin. Ah ouais, j'aime bien. Oh, c'est dur. Aïe. Il est long là cet écran blanc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un flash aussi. Oh, la moitié du groupe, bon. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas assez vu d'infectés pour croire au vaccin, en fait. Ouais, un remède pour un infecté que vous croisez tous les 4 matins, quoi. Il va les enculer. Ah, putain. Ouais, donc heureusement qu'ils ont rajouté cette scène au début, quoi. Tu sens qu'il va se passer quelque chose. Tu sais que ça va arriver. Tu le sais. Ouais. Ouais, Joël, ça rigole zéro. La musique derrière. Les bruits étouffés un peu. Ouais.
Et là, pour ceux qui ont fait les jeux, vous savez que je sais. Vous savez que je sais que vous savez. Et là, on s'est dit non. Vous le savez, ce qui s'est passé. Et venez pas nous casser les couilles en commentaire. Ah, mais tu spoil, j'ai rien dit. Parce que je vous vois venir. She'll leave. Then what? Ça va, il va pas mourir tout de suite, hein. C'est vrai qu'il a décimé la moitié de l'hôpital. Par contre, je trouve que c'est une bonne adaptation du jeu, ça on peut pas le nier. Ouais, le mensonge, c'est terrible, hein. Tu sens quand même que, bon, là... même elle, dans le fond... You just come after her. Wyoming. On va finir comme le mensonge va avoir un sacré impact, hein. Je pense que les gens l'ont compris, même ceux qui n'ont pas fait le jeu, hein. I think you would have made her laugh. Not much further now. Hey, wait. When I got bit in the mall, I wasn't on my own. My best friend was there. Moi, j'ai encore tué personne, donc ça va. Je me porte plutôt bien. Okay. Ok, je vous donne un avis très rapide, puisque demain, on revient à 21h en live sur la chaîne avec toute l'équipe pour parler de l'épisode 9 et de cette saison 1, cette première partie. Vous le savez, hein, pour moi, la série, c'est juste une version du jeu, en plus soft et pour toucher un plus grand public. Alors, j'ai bien aimé l'épisode 9, comme j'ai aimé le 8, mais rien ne m'a transcendé. C'est un copier-coller du jeu, hormis les passages inédit, donc avec la mère d'Ellie, pour rendre l'échange entre Joël et Marlène, on va dire, un petit peu plus émotionnel. Le gros souci, c'est qu'ils veulent trouver un remède contre les infectés, mais les infectés ont été tellement secondaires, plus que secondaires d'ailleurs, dans cette série, que malheureusement, je trouve pas ça très crédible. À trop vouloir montrer que le danger, c'est l'homme, on en a perdu un petit peu les infectés, et malheureusement, sur la fin... J'ai rien ressenti en tout cas de très vrai là-dessus, mais bon, passons, c'est un parti pris de la part des scénaristes, donc c'est comme ça. Hormis un passage avec Joël que j'ai bien aimé, notamment quand il fait comprendre que c'est grâce à Ellie qu'il est là, et la scène de l'hôpital que j'ai trouvé quand même plutôt bien filmée, avec la musique de Santa Olala derrière, c'était un passage plutôt sympathique. Les 20 dernières marchent assez bien, on voit toute la froideur et la dureté de Joël, c'est ce qu'il fallait. Mais c'est vraiment un copier-coller du jeu. Donc c'est vrai qu'en termes d'intensité, je ne l'ai pas ressenti. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est un peu compliqué pour moi. Visuellement, c'était plutôt cool. On est sur le même réalisateur que l'épisode 8. J'aime bien la manière dont il filme les décors. On y croit un peu plus. Bien aimé aussi le découpage. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais voilà, hein, je... Voilà, The Last of Us se termine. Pour moi, ça a été du très bon et du Joseph. Ça n'a même pas été mauvais pour moi. Il n'y a rien de mauvais dans la série. Juste que malheureusement, ça ne me touche pas. Et je lui reproche quand même un gros manque d'équilibre entre le rythme, le développement, etc. On vous sortira très souvent l'excuse que vous n'avez rien compris à The Last of Us puisque ça nous parle d'une histoire d'amour dans un monde post-apo, qu'on cherche à travailler les relations humaines, mais c'est ce que Walking Dead a fait dans ses grandes heures, elle arrivait à mélanger les deux. Là pour moi c'est juste un parti pris qui a été fait par Druckmann que je trouve personnellement pas assez bien équilibré. Donc voilà, c'était bien sans plus. Moi, franchement, je vous le dis, la série ne m'a pas transcendé plus que ça. Je lui ai trouvé des épisodes très bons, comme le 3, comme le 5, comme le 6. Le 8 était plutôt cool aussi. En vrai, ça fait plutôt une bonne moyenne. J'avais trouvé l'épisode pilote très très convaincant aussi. Et même si on a un Joël, Ellie... qui marche très bien, d'ailleurs, heureusement, parce que c'est le plus important dans The Last of Us. C'est un peu tout ce qu'il y avait autour que j'ai pas trouvé toujours très pertinent ou même percutant. Je ne sais pas, à vrai dire, si je serai là pour cette saison 2. Je pense que je réagirai
à certains épisodes, mais je partirais peut-être plus sur un format critique ou live, puisque honnêtement, je l'ai remarqué, vous l'avez remarqué aussi, tous les épisodes ne prêtent pas à faire des réactions, par moments c'est fade et on s'emmerde comme l'épisode 7. Pas mal d'épisodes inégaux, je trouve. Donc voilà, de toute façon on va revenir demain soir en live à 21h, là je suis à chaud, donc ça sert à rien que je m'éternise pour vous parler de toute la saison, j'ai besoin de prendre du recul. Donc je vous dis rendez-vous demain à 21h sur la chaîne, et pas la semaine prochaine puisque c'est enfin terminé, je suis assez content, je vous cache pas hein, quand même que ce soit terminé. Pas parce que la série est mauvaise, loin de là, juste parce que les fans sont tellement toxiques que franchement ça me plombait le moral. Là, mes lundis seront effectivement beaucoup mieux, donc j'ai bien hâte. Portez-vous bien les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et de la saison 1, et à bientôt.